Louis et Tu, c'est donc un roman qui se situe dans la collection On est prêt, qui est une collection engagée pour le climat, la biodiversité, la cohabitation avec les autres espèces. Et donc Louis et Tu parle justement de ce dernier point et comment en fait donc une espèce emblématique donc comme le loup aujourd'hui est obligée finalement de cohabiter avec l'humain et comment l'humain va devoir apprendre à cohabiter avec lui au lieu d'essayer de le détruire. En fait, donc c'est vraiment à partir du moment où j'ai vu le film Demain, je me suis quand même intéressée aux villages en transition, à tout ce qui était jardin partagé et tout ça, et aux manières différentes d'habiter, de vivre ensemble les uns avec les autres, donc avec les décisions collectives. Et le village de Saint-Lunaire, qui est un village fictif, c'est vraiment un village dans lequel des gens se sont installés venant de tout horizon, de plein d'horizons différents, pour essayer de vivre autrement et de construire une société un peu différente, tout en restant, on va dire, dans une politique globale française, quoi. Alors, en fait, c'est vraiment la contradiction de... effectivement, on va vouloir vivre au plus proche de la nature. On est écologique, on est engagé pour le climat, pour une autre manière de vivre. Et puis, à un moment donné, il y a l'autre qui débarque. Et là, en l'occurrence, c'est le loup. Le loup va mettre à l'épreuve en fait toutes nos croyances. Ce qui est extrêmement choquant, c'est qu'on a on a vraiment complètement désappris à vivre avec les autres espèces animales, et particulièrement en France. Quand on regarde du côté de l'Italie, l'Espagne, qui vient d'interdire définitivement la chasse au loup, eux ont appris à faire avec. Nous, on les a exterminés à la fin du siècle dernier. Ils sont revenus en 95. En passant les Alpes, et notre seule solution, c'est de les tuer, de contrôler des populations, alors qu'en fait, ça ne fait que aggraver des situations qui vont être effectivement dramatiques pour des petits éleveurs qui vont effectivement perdre plusieurs de leurs bêtes en cas de surprédation. Mais en fait, ces prédations, ça va être beaucoup le fait de chiens errants, et quand c'est de la part de loups, c'est parce que ces loups ont vu leur famille décimée, ou parce que ce sont des jeunes qui sont complètement en errance. Donc on a vraiment des structures familiales éclatées, et je pense qu'il est urgent d'adopter une autre réponse. Clara, elle a un loup qui débarque chez elle, enfin dans le studio qu'elle occupe dans le jardin de son père. Alors là, c'est aussi quelque chose qui m'a été inspiré par une histoire vraie, puisque il y a 3 ans, je crois, c'est ça, 2018, un vieux loup est venu en fait dans le garage d'une femme. Je ne sais plus dans quelle région, et en fait, il a été euthanasié parce qu'il était vieux et malade. Et moi, cette histoire m'a vachement touchée, parce que c'était vraiment un appel pour moi. J'ai vraiment vu ça comme un appel vers un lien, et regardez-nous. Et donc, c'est l'amitié qui se développe, le lien qui se développe entre Clara et ce loup, qui va lui ouvrir les yeux, et puis aussi l'obliger à aller vers les autres, et y compris vers son père, à renouer avec son père pour le mettre en face de ses contradictions. Clara est engagée et déracinée, c'est-à-dire que c'est son engagement, un engagement qui va être contre le racisme, un engagement qui va être contre l'homophobie, parce qu'elle est dans une famille reconstituée avec un beau-père qui est vraiment un archétype de type pas ouvert, raciste et homophobe. Clara, en fait, le fait de s'engager auprès d'autres jeunes, de s'engager pour plein de choses, c'est vraiment ce qui lui a permis de ne pas couler, ce qui lui a permis de se construire une identité. J'ai eu la chance, en fait, de travailler avec Marie-Amélie Léon, qui est une super éditrice, qui m'a poussée, en fait, à ne pas me brider sur l'écriture, parce que la thématique du loup... qui ne devrait pas être problématique, est problématique à l'heure actuelle. Et elle m'a dit, dis ce que tu penses, et puis au pire, nous, on nuancera. Donc en fait, il n'y a pas eu besoin de nuancer. Et j'ai été aussi soutenue par Samy de On est prêt, qui lui s'est chargé de faire pas mal de recherches
sur comment ça se passe au sein d'un village en transition quelles solutions peuvent trouver par exemple des bergers dans d'autres pays pour gérer les loups. Donc ça a été très agréable parce que vraiment quelque chose en collaboration.